Patrick, quand il allume de feu, quand il allume de feu comme ça, les bons signes, ça, non? Il veut dire que ça cuisine là, non? Ça fait qu'il y a un peu manger. Ça fait qu'il y a un peu manger. Ah, où ça fait un coq? Hein? Parce que nous, on a le monde ce soir. Hein? Ou le coq, où ça fait là, c'est un coq comment? Carriole ou comment? C'est un coq. Là, on m'appelle que ça nous dit, amène pour un boîte de. Champignons? Champignons, oui. Où ça trouve champignons? Un coq aux champignons, ça fait? Et bien là, après, dans ta l'air, ça fait un petit coq, un coq, mais non, pas un coq, ça fait du blanc de poulet en vindaille. Ouais. Mais par comment il s'est fait ça, parce qu'il paraît que Vinda il fait avec le thon, avec le poisson. Mais là il fait avec poulet. Mais il peut faire aussi, non? Oui. Vous connaissez un jour que ça m'a la mangé, Patrick? Si me dire, vous croyez pas moi. M'a la mangé un Vinda de la chair, de la queue de crocodile. Vous connaissez la queue de crocodile là? Oui, la oui, chair oui. Là, elle est pareille poulet ça. Oui, oui. Oui. Hein, et ben là, elle a fait un Vinda. Elle était en Afrique du Sud. Ah, après, il y a beaucoup d'Indiens en Afrique du Sud. Hein? Maman, il mange n'importe quoi. Ouais, un Vinda, il a que crocodile. Ouais, ouais. Et là, Bernard, t'as l'air qu'il va arriver. Il n'y a pas encore arrivé. Dans un instant, il va arriver. Et ça fait un Vinda de blanc de poulet, mais c'est le blanc de coq hein, que nous a tué aujourd'hui. Hein? Et à où avec tout le reste de coq, parce que nous a tué trois coqs aujourd'hui, où ça fait un coq aux champignons. Oui, hein? On est bon? Bon. Si qu'à Cristal, il y amène le champignon. Oui, on va le Cristal. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas dit, on n'y a pas trouvé là. On va faire le coq en créole sans champignon. On est bon là, okay. Simone. Ça va, Jean-Claude. Bien. Oui. Hein, mais aujourd'hui, ce soir, là, dans cette petite émission, là, nous fait pas que la cuisine, nous là, on fait aussi un petit anniversaire, non? Oui, c'est l'anniversaire de Richard. Ah, Richard. Ouais. Hein? On peut dire son âge? Je sais pas. On dit pas alors. Un an. Non, mais pour les un femmes, an on, plus. Pour les femmes, on dit pas. Pour les hommes, on peut dire, non? Un an plus. Un an de plus? Oui. Si on ne sera pas content sur si son âge. Parce qu'il est vieux, ce monsieur là. Mais non. Il n'est pas vieux ton mari? Non. Ah, il n'est pas vieux. Il est encore beau ton mari. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Il la jeunesse. Oui. Hein? Voilà. Ok, alors on a aussi Charline avec nous. Comment elle est Charline? Ça va très bien. Ça va? Tout le monde est dans la télé, comment elle est là? Ok, mais tiens, ou même dans le chemin, tu peux me voir qui vous laisse sur la télé. Mais tiens, ben. Bah, où travaille, il peut, quand il peut, quand il peut pas. Ben voilà. Mais bon, alors ce soir, vous faites un petit piment pour nous? Ben, un petit piment, ça va être doré au feu, comme d'habitude. Vous cotisez, quoi. Voilà. Ça travaille, ça. Hein? Exactement. Les bons, là, ouais, ok. Et puis après, Simone, ce soir, Lisa prépare une petite affaire pour son mari. Oui, voilà. Hein? Voilà. J'ai ramené caca-pigeon. Caca-pigeon. Ouais. Ah oui, maman a dit pipi de chat. Est-ce que tu peux prendre un petit coup le caca-pigeon pour nous montrer un coup de monde c'est quoi le caca-pigeon? Parce que, hein, non, mais les gens qui regardent à nous, Simone, ben, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est quoi le caca-pigeon. Hein, c'est quoi le caca-pigeon? C'est ça, hein? C'est des petits fritures, oui. Des petits caviar, des petits quoi, Charline? Il y a des cacahuètes, des demi-pain, des petits chips. Des petits chips comme ouais. Ça. Et pourquoi à Madagascar on appelle ça caca pigeon? Comme c'est petit. C'est petit. Les caca pigeon c'est petit. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé caca pigeon. Caca pigeon. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Et en malgache, comment on dit caca pigeon? Ah, c'est caca, bon. C'est caca. Charline, hein? Et Charline, donne-moi toujours caca pigeon. Denis, vous dites c'est beau. Ah, vous dites c'est beau. Hein, d'accord, c'est alors. Beau. Ça, c'est un petit truc à boire, un petit coup avec, voilà, un apéro comme ça. Hein? Voilà, un apéro. Hein? Ok, allez, bon, alors, ben, Patrick, ça fait cuire un coq ce soir aux champignons. Si Christelle, tout à l'heure, amène les champignons. Et après, Béana va nous faire un petit vindaille de poulet. De blanc de poulet. Blanc de coq, parce qu'on n'a pas de poulet ici, on a des coqs, que des coqs. Ah, les bas. Ok, et après on va profiter tout à l'heure pour souhaiter un bon anniversaire à Richard. Ok, merci Jean-Claude. Patrick, ça va? Tu te voulais ici là? Ah oui, c'est rien. La fin arrive un petit peu tard dans la soirée. Ouais. Comme d'habitude, tu reviens de poulet et après. Ouais. Ah, champignon, on arrive, hein? Ah, ça va un petit peu Bernard parce que là, Bernard l'arrivée avec son affaire. Comment est Bernard? Ça va, bien? Ça va, ça va. Où l'arrivée alors? Avec une vindaille de blanc de coq. Non, nous, on connaît tout le temps, nous faisons poisson. Ouais. Si bon, ben, il faut nous faire un coq. Si, il doit être pas si. Il doit être bon aussi, pareil. Hein. Ah, c'est toujours de la chair. Hein. Comme il dit, ben, là, ma fille mange un vindaille de queue de crocodile. Ouais, dans la queue de crocodile, là, dans de la chair. Dans de la chair. La chair, là, elle est tellement fine, elle est pareil du poisson, de la grenouille, ou bien du blanc de poulet. Ben voilà. Mais il fait vindaille avec, ben, on a fait du sud. Mais et ça donc, aussi, nous, gagne. Voilà. Là, donc, c'est du blanc de poulet qu'on la prend. Ouais. Vous l'assaisonnez avec quoi ou là? Pas c'est dans rien, ma mère son manche de vignon d'ici là. Vignon, hein? Et vignon pour ça tu connais pas là, hein? Ouais. Là, là. On va le chercher là, ici là. Ouais. Il monte à Zotem. Eh bien, Patrick, oui, ça, ça cherchait le vignon, hein? Oui, bah. Ouais, ça, c'est du vignon. C'est une épice indienne, hein? Ouais. Et là, donc, ça, non? On a des sels,
Vindion plus Silon. Ouais. Ça, c'est tout le temps les épices indiens, parce que le Vindai, c'est quand même un plat indien. Et surtout, le citron, n'est pas oublié, plus le poisson. Plus et le ben, poisson. Plus, pas le poisson, plus le safran. Le safran, hein, ouais. Voilà. Mais citron, on essaye de mettre pas beaucoup, parce que c'est une viande de animal. On a besoin l'aigretude. Voilà. L'aigretude, mais quand même pas si le mot existe. Ouais. Voilà, les bons, alors, okay. Ouais. En tout cas, on a beaucoup de recettes de Vindai qui traînent sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout ça. Ouais. Mais chacun peut faire son Vindai et sa façon aussi. Hein. Ouais. Bon, on va voir, autant à moi. Ah, mais bien sûr, mais pas, moi. Comme d'habitude, je ne peux pas donner les épices et puis je t'appelle, chef, bon. T'inquiète. Ok, allez. Attends-là. Les épices pareilles. Les épices vanille. Et ça, tous les épices vanille. Oui. Dis-moi un petit coup, c'est un miroir de l'ail, un miroir de safran, miroir des oignons verts, un petit peu d'oignons, un miroir des petits citrons. Miroir... Ça, c'est le... Ça, c'est quoi, ça? Le silon, vendion, un petit peu calopilé. Ah, calopilé? Ouais. Ah oui. Hein? Et ça, c'est quoi, ça? Safran. Ça, safran. Ça, c'est citron. Mais pas d'elle qu'on ne fait point service malba ou là? Hein? Ouais. Attends, là. Comment il est? Je ne pas d'elle faire pas d'elle pour service malba. Il y a l'espace en Cyrano. Et Christelle, toi aussi, tu laves le riz? Oui. Tu laves le riz? Oui. Ou la lave de main avant? Ou la lave de main avant? Ouais. Bon, d'accord, ok. Oui, bien là. Au fait, là, nous n'ignorons pas, nous le malbas. Hein, ouais. Et de toute façon, Vindai, c'est un plat malbas. C'est un plat malbas. Hein. Et big up tous les malbas à la Réunion et tous les malbas du monde entier. Hein. Bah, tu dis qu'à le stress, l'équipe malbas, t'as l'air. Ah, mais nous le malbas. Non, la point que ça ici. Il y en a de tout. Oui, mais nous les malbas, voilà. Voilà. Et là, donc, quand on ouvre la saison, notre viande là, hein, blanc de poulet là, hein, ouais. Que ça la mettre dedans. Ben, sel, un petit peu de sel. Vindion avec silon. Un petit peu vindion avec un petit peu silon. Hein. Ouais. Alors, silon, tout le monde y connaît. Hein, ouais, c'est Tipaille. Et vindion, par contre, tout le monde ne connaît pas comme nous l'a dit tout à l'heure. Mais ça, quand on fait un petit massalé, tout est salé excellent. Et en plus, vous connaissez ce que c'est fait? Je t'achète ça. Je t'y je prends un poignet, je mets dans l'eau, je mets un fusil, je bois ça comme un frisson. Ah bon? Ah oui, c'est incroyable ça. Donne pas mal au ventre. Non, au contraire, les meilleurs pour la santé. Les meilleurs pour la santé? Et figure-toi, tout épicé indien, c'est un tisane. Ah bon, d'accord, les bons. Ouais. Hein? Bon. En tout cas, les nandes là. Hein? Ouais. Hein? Vindion, safran, l'ail, gingembre, oignons verts. Ça c'est quoi? Hein? Ça c'est quoi ça? Ça c'est un petit gingembre mettre la fin. Gingembre mettre la fin. Citron avec. Mais bon là. Gingembre, tiens un petit peu le goût citron, de toute façon il est trop fort. Mais bon là. Ok, Maliwa bien, Maliwa. Patrick, les bons là, poulet là, au fond de ferry, et là on rajoute tous tes champignons par-dessus. Hein? Oui, bah. Voilà, hein? Mais ça c'est un beau mamite poulet aux champignons ça là? Ah, c'est oui. Un poulet créole aux champignons, ouais. Hein? Voilà, hein, ça y accompagne le petit Vindion. Enfin, oui. Le petit Vindion. Le petit Vindai. à force d'aller depuis là, pas le Vindion. Vous connaissez au Vindion? Vindion, on connaît. Hein, il paraît Balbal connaît Vindion. Hein. Mais maintenant, toute la Réunion et toute l'océan Indien connaît Vindion. Hein. Bon, mais là, ça saute alors, il revient un instant, Bernard. C'est bon? Ok, pas de problème, mon frère. Pas de problème, les bons alors. Ok. Ça va, monsieur Rémi? Ça va très bien. Rémi Massin? Rémi Massin. Ah, d'accord. Ou les candidats aux législatives dans le 7e circonscription, hein, qui dans? Va de Saint-Gilles, Saint-Leu, ça, non? Oui, depuis Saint-Gilles-les-Bains, oui. Bien sûr, Saint-Gilles-les-Salines, jusqu'à Saint-Louis. D'accord. Saint-Louis-les-Marques. D'accord. Voilà. Alors, ok. Alors, avec Saint-Leu, trois bassins, les avirons, les temps salés. Tout le monde d'Allon est là-dedans. Bien sûr, les élections, c'est pour le 10 juin. Le 12 et 19 juin. 12 juin et 19 juin pour le deuxième tour. Hein? La fête des pères, c'est le 19 juin. Mais j'espère me aura un bon cadeau. et aujourd'hui, la BNA, ça fait quelque chose avec la BNA, non? Ça fait un Vindai de scallop, de poulet, de coq. Voilà. Et vous donnez un petit coup de main. Ah, mais j'espère. Allez, mais fait un grand plan et voilà, deux ensemble. Et la cuisine, c'est la fois qu'on y aime ça? Mais y aime manger, c'est tout. Vous l'avez de l'huile, hein? Vous l'avez de l'huile, hein? Voilà, il met de l'huile, l'huile est chère, tu vois. Il a mangé, hein? Il a mangé, c'est sûr. Ouais. Après, c'est plutôt madame, il fait la maison. Ah, ouais. Mais sinon, moi, c'est plutôt rougail saucisse, carré poulet. Connais, un vrai créole, moi. Un vrai créole. Ah oui. Ouais, d'accord. Mais bien, là, on peut laisser Rémi Massin peut-être mettre un peu dedans, non? Tiens, voilà, hein? Hein? Ou Guy Dali, parce qu'il n'est pas trop cuisinier, là, dit, oh, mais oui. il fait des efforts, fait, hein? Vas-y, pourquoi? Parce que quand moi, t'es petit. Moi, j'étais un peu chassé de la cuisine avec trois sœurs. Ah ouais? Passé un moment. Hey. Là, dis-moi, prépare, mi-taille, mi-coupe.
Mais après, pour cuire, là, là, c'est notre pas de l'or pour faire aussi. Ah ouais, d'accord. Donc là, il faut faire revenir à l'île comme ça, Bernard, hein? C'est ça, hein? C'est ça. Hein? Et il faut bien faire revenir ça? Oui, bien faire revenir à l'île avec un petit peu de l'eau, des glaces à l'île. Des glaces à l'île, un petit peu, hein? Voilà. Et là, c'est des blancs de poulet. Mais pas pour... Ou à vide, il y a un petit peu le zoo dedans, hein. Ah oui, parce que c'est un blanc de coq que nous a tué cet après-midi. Un vrai coq, ça, alors. Ah oui, oui. Hérode fait le coq avec ça, alors. Ah ouais, il y a fait un Hérode fait le coq. Nous, qui avons pillé assez, hein. Fini. Et nous, nous élèvons que des coqs, nous, ici. Mais c'est super. Ouais. C'est vraiment un bio, là. Voilà, bio. Il est bio, hein. D'accord. Il permet de dire, moi, que moi, je suis pour la légalisation des batailles coqs, des ronds de coqs. Ah oui, d'accord. C'est aussi dans mes propositions, ça. Ouais. Les traditionnels, oui, culturels. Tout aussi, hein. Traditionnel pour la Réunion. Parce que moi, les créoles avant tout. Hein. Dans mon sang, il faut trois continents. Hein. Un. On en a le Massin, l'étudiant d'Europe, de France. Ouais. On en a une partie malgasse. Ouais. Et le troisième, c'est un Malbar, un Indien. Ah, ouais. Donc, pour moi, là, c'est les trois continents. Ouais. Ou là, un peu extraterrestre ou non. On n'a plus par où. C'est la Réunion, hein. Là, ça écoute un petit peu. Les bons, alors. Bien, on a vu le mettre dans un verre là. De l'eau, et puis après, on a pris un peu d'huile dans là aussi, non? Non, moi, j'ai. Ou là, j'ai de l'huile, vous la mettez que de l'eau, hein? Voilà, hein? Vous l'avez vu toutes ces épices là, Rémi? Oui. Hein? Hein? Ah non, ça, c'est la Réunion. Hein? Toutes ces épices que va faire la composition de ce vindaille. Vindaille. Au poulet. Au poulet. Parce au coq, plus que généralement, on fait des vindailles au poisson. Au poisson, hein? vindailles de thon. Voilà, hein? Le poisson parce qu'il cuit vite. Oui. Mais aujourd'hui, là, hein, dans beaucoup de restaurants maintenant, on fait aussi des vindailles de poulet. Tout à fait. Hein, voilà. Et si ma raconte banale histoire que me l'a fait dernièrement, ma partie en Afrique du Sud et ma maman, j'ai un vindaille de queue de crocodile. Vous connaissez la chienne de crocodile, est comme du poulet. Moi, la mangeais à Madagascar, crocodile, moi. Ouais. Il ressemble un peu au poulet. Voilà. Il a le goût un peu poulet. Pareil, voilà. Ouais. Alors, des cuisses de grenouille presque à la limite. Poulet crustacé. Voilà, poulet crustacé. Effectivement. On la mangeait à Madagascar. Voilà, hein. Voilà. Hein. Et donc, on allait Maurice. Maurice crocodile en boulette, en sauté. Toute ma mangeait, il y a des envies. Mais en vindaille, je vais manger. En vindaille, jamais. En vindaille. On mange crocodile, on a la force crocodile, quoi. Ben oui, mais la prochaine fois, on va faire un vindaille de chair de crocodile. Exactement. Voilà. Force et vigueur. Voilà, et voilà. Et voilà. De force et vigueur. Voilà, ok. Alors, et là, nous, attends, Ali, avec les croûtes un petit peu, Bernard, c'est ça, hein? Avec un petit peu, il faut tout analyser un petit peu. Ah ben voilà. Alors que ça, on croit là. Ah ben on a le coup de main en plus, hein. Ça m'a fait vivre, hein? Ouais. Un peu d'eau. Faut déglacer ça, hein. Ça ne vous chie rien. Non, mais là, il déglace son poulet avec de l'eau aussi, hein. Ça pour éviter que ça croûte, ça donne, hein. Il roussit. Et hommage à ma maman et à mon papa. Ah, voilà. Ils sont très âgés. Oui, ben, ma maman est malade en ce moment. Ah, d'accord. Hommage à ma maman. Bonne guérison pour ta maman. Merci. Elle a quand même un certain âge, un âge certain. Elle a 91 ans quand même. Ah, l'eau. Vous avez l'eau qui s'est fait? Soit on remonte à l'aise, là, il sort pour les brouter là. Voilà. Il recolle sur la viande, on le fait. D'accord. Madame Vergy, hein, pour rendre hommage aussi à mon madame. Hein. D'accord. Parce que c'est une madame qui cuisine chez vous. Voilà, en général, ouais, tout le temps presque, c'est elle. Ouais. C'est elle qui cuisine mieux que moi. D'accord. Mais là, aujourd'hui, c'est où là le tablier? Voilà. Il fait au nez, hein. Merci, voilà. Jean-Claude Coindin. Les bons. Il y a la caméra, il n'y a pas l'île. Hein. Bien, d'accord, quand je t'en ai. Madame, c'était Bendion avec Silon. Bendion et Silon, et voilà. Tout ça, les verres comme ça là. Les cinq, c'était. Caloupiler ensemble. Ah, tu fais caloupiler avec quoi? Heureusement, m'y suis Rémi, on l'a vu ça. Ah hein? Oui, m'y suis, parce qu'il y a mis à prendre en même temps. Zinzom après, oui, dedans. Zinzom, un peu en lamelle. Il faut pas oublier ça. Là. Alors. Ça vous fait, hein? Un petit peu de l'eau. Un petit peu de l'eau déglacée toujours. Toujours. Il y a quand même. La cuisine, c'est un amour. Encore une femme, ça vaut rien, Mali pareil. Ben voilà. Hein? C'est ça, j'aime ma femme, moi. C'est bon. Et puis, bien quand j'ai un coup de coupe là, elle a dû lui mettre de l'eau dans le curry parce qu'il vient de son madame. Je t'ai fait déclaration d'amour là. Viens là. Viens un petit peu. Un petit peu safran. Un petit peu safran. Hein? Parce qu'il faut donner la couleur jaune, hein. Parce qu'un vindaille, s'il n'est pas jaune, n'est pas bon. Hein? Ah, mais il faut bien tout en aller. Bien retourner en aller. Voilà. On va mettre l'ail, l'oignon d'abord, oui, l'oignon d'abord.
Alors, là, là le coup de main. Ah, tu vois, là le coup de main. Alors. Ça pour mettre à l'air. Ça pour manger tout à l'air. Ça nous met dedans. Ça c'est quoi? Ça même, ça c'est. Ça c'est bindillon avec silon et avec un peu caloupiné dedans. Hein. Voilà. Et piment, nous mettre comme ça. Hein. Vous mettez des gros piments comme ça en entier? Ouais. D'accord. Comme les Indiens. Ça sent bon, hein? Ah oui. Ah. Oh là là. Ça passe le dent, ouais. Dommage que. Là, l'image, mais là, le parfum, là, pas l'odeur. Ouais, bientôt. Hein. Et là, lui met le citron. Coupe en morceaux. Ouais. Alors. Ça, c'est un citron un peu orangé, le citron de la cour, hein? Ouais. Citron bio, bien entendu, hein? Ouais. Voilà. Là, on va mettre le lime. L'ail, important. Ouais. C'est un gingembre aussi, ouais. Ah oui, très important, le gingembre. Indispensable, le gingembre. Ouais. Ah, ça, oui, ça, il faut. Le gros oignon. Le gros oignon, le gros pour oignon. Ça ouais, non, mais maintenant, un petit peu caloupulé, là. Un caloupulé, on rajoute pas dessus, dedans. Ouais, voilà. Ouais. Avec un petit peu mélangé les oignons verts, on l'a vu, hein. Ouais. Mais n'est pas grave, hein. Ça met ça. Et là, les gros oignons. J'essayais pour la déco, ça, non. Mais il donne un goût aussi. Ah non, on a un bon goût. Voilà. Un exhausteur de goût. Ah, d'accord. C'est moi. Alors, il paraît que tu connais pas Vindaille. Non. Je ne connais pas Vindaille. Mais maintenant, tu sais ce que c'est que du Vindaille. De poisson, ouais. Ou de viande, ou de poulet. Ah oui. D'accord, ouais. Oui, d'accord. Ok, oui. Alors, tu voulais pas faire un bon anniversaire à Richard, à toi? Bah, joyeux anniversaire, Richard. Ah là. On a dit au début de l'émission, on le redit encore. Bon anniversaire, Richard. Oui. Ok. Joyeux anniversaire, Richard. Voilà, Richard, viens, s'il te plaît. Ouais, hein? Alors, il paraît que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Un an de plus. Un printemps de plus. Voilà. Un petit peu de l'eau, ouais, d'accord. Alors, Vindaille, c'est un truc que vous mangez généralement, déjà mangé ou bien? Rarement. Vindaille. À l'occasion, vindaille de thon. Oui, vindaille oui. De poisson. Ouais. Ça, là, c'est plus classique, on va dire. Oui, voilà, mais là, ça va être vraiment une première. Ah ouais. Vindaille de coq. Oui, ben, blanc de poulet. Hein, mais le coq plutôt, hein. Donc c'est où et on a l'honneur de goûter. C'est bon. Attention les chauds, hein. Un petit peu là. Bon, ben, mets ça là. Ah, les cuillères. Alors. Bien. Le goût, comment il est? Ah, super bon. Il fond. Bon. Délicieux. Il fond dans la bouche. Il fond dans la bouche. Il fond dans la bouche. Merci le grand cuisinier. Oui. À moi, même que l'adjoint. Hein. Ah bon. Donc. Il a mis sa mettre sur la fin. Comme toute. Comment il appelle ça? Tout bon. Comment il fait ça? Ah, ouais, hey, Bernard. Vous êtes ça quatre côtés après? Ouais, non. Vous connaissez les affaires, ouais. Moi, les créoles, moi, les réunionnais. Quand c'était cuit. Alors, Vindaille, c'est quelque chose que tu aimes? Beaucoup. Mais le Vindaille de poisson, hein. Ouais. Le poulet, je connais pas. C'est une première, alors, pour voilà, Vindaille de poulet. Première. Alors, hein. Pas n'importe quel poulet, hein. Vindaille de coq. Et la cour, c'est ça? La cour, oui, exactement. Ce qui fait peur, moi, c'est les 6 grains de piment à la mettre là-dedans par rapport. Ah bon, parce qu'on n'est pas trop piment? Du tout. Ben et bon. Voilà, c'est ça. Poitrier. Oui. Bon. Alors, ça, c'est quoi? Vous venez? Alors? Allez, chef? Allez, chef? Voilà. 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 La couleur, elle est jolie. Par contre, ça fait goûter. Hein. Voilà. Elle n'est pas forte, par contre, pour être comme ça. Hein. Allez. Par contre, moi, j'aimerais bien. Vous pouvez pas un petit plat encore nous mettre des choses. Ouais, voilà. Ben, ça, c'est comme un petit apéro, ça. Hein, voilà, hein. Il fait le dressage. Dressage, hein. Dressage. Le dressage, puis. Hein. C'est un top chef, hein. Ah, ben oui, regarde ça. Ou encore, ils sont dans l'ouest. Pour venir à l'opposé, dans l'est, hein. À deux rives. Ils sont de Saint-Gilles-les-Bains, moi. Hein. Ben oui. Mais franchement, on m'a ennuyé vraiment pour quelque chose. Hein. Ah, ben oui, pour ben un ouais. Super plat, c'est un vidaille de poulet. Invité par Jean-Claude Coindin, qui est de l'autre côté de la caméra. Hein. Voilà. Et avec le grand chef Bernard. Bernard. Ours fort. Bernard, hein, il veut dire ours fort. Dis-moi, hein, là où cool est là, là hein, parce que l'émission, c'est là tout de suite. Hein, ouais. En cette début de
Mais, oui. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on a à dire à tous les électeurs de la 7e circonscription? Ben, moi, je voudrais dire les électrices et les électeurs de ne pas oublier d'aller voter pour les législatives de juin de 2022, de juin cette année. Et de ne pas oublier qu'il faut aller voter s'il faut vraiment que la démocratie fonctionne. Ah ouais. Moi, c'est un candidat de la tradition, pour la coutume, la tradition réunionnaise. Moi-même, on est créole, hein, on est réunionnais. Ah ouais. D'accord? Et j'aimerais que les gens comprennent que pour faire fonctionner la démocratie, il faut venir voter. D'accord. Bien sûr, si c'est votre pour moi, encore meilleur. Et pourquoi pas? Voilà. Oui, hein, ouais. Voilà. Donc, voilà. Et là, et voilà, donc voilà. Pour ça qui n'oublie pas le nom. Rémi Massin. Voilà. Ouais, voilà. Avec Rémi Massin, mm-hmm. Donc nous avons fait un vindaille de poulet. Scalope de coq, hein. On va dire ça comme ça. C'est oui. Le premier, ça, scalope de coq. Scalope de coq, hein. Mais un vrai coq, hein. Un coq bio. Donc, voilà, un coq bio en plus. C'est soigné ici même, hein, ouais. Chez Jean-Claude. Là. Chez Jean-Claude Coindin. Ouais. Mais on connaît pour le coq, là, ce midi, on a eu une émission, hein, avec un Jamaïcain. T'étais là, toi, non? Ouais, si, ouais, ouais, ouais. Et ben, on a fait manger un coq, il ne savait pas comment on dit un coq en anglais. C'est... Que comment on l'a dit, Ali? Tu as dit chicken. Chicken. Le chicken. Papa du poulet. Ça, tu rigoles, ça? Tu as dit chicken. Voilà le... Ben, voilà. Le vendail de poulet, hein. Ok, voilà. Alors... Bon, ben merci beaucoup. Merci, merci à toutes. Merci. Merci. Non, ouais. On a le plaisir merci. Parce qu'ils ont donné à l'association quand même. Ben, oui. Toute l'association oui, est bienvenue. Bien sûr. Hein? Mais bon, bien ok. Sûr. Merci bien. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt.